L'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, sur les sites réhabilités et construits pour le 8e jeu de la francophonie. Adama Wane, accompagné du ministre Robert Mambé, a visité la Bibliothèque nationale, le Musée des civilisations, le stade Oufot-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, le palais des sports, le canal au bois et le village des jeux. Il se dit satisfait des travaux réalisés et invite les pays à une forte participation. Les jeux ne sont qu'une sorte de rampe de lancement. C'est un prétexte, si on peut l'utiliser ainsi, parce que ce que nous avions vu aujourd'hui au niveau de la Bibliothèque nationale, remarquable infrastructure qui date des années 74, qui a une nouvelle vie et qui, avec le numérique, va offrir à la Côte d'Ivoire, bien au-delà, des possibilités insoupçonnées. Le musée, c'est un joyau sur toute la ligne, avec le cadre, avec le contexte, avec les innovations, rénovations qui ont été faites. Et là, maintenant, nous sommes sous cette magnifique coupole, donc avec pour le basket et d'autres disciplines. Il faut dire que ce que j'ai vu me réconforte et nous sommes en mesure de renforcer les messages déjà très forts que nous avions envoyés à tous les pays pour dire que la Côte d'Ivoire est prête. La Côte d'Ivoire est déterminée à offrir des jeux exceptionnels à la communauté francophone, rassure le ministre auprès du président de la République, chargé des jeux de la francophonie. Le président de la République, le vice-président, le gouvernement avec à sa tête le premier ministre, sont décidés à offrir au monde francophone des jeux exceptionnels. Nous restons vigilants jusqu'au dernier jour où le dernier athlète aura quitté le pays. Cette visite de l'administrateur de l'OIF a permis de constater que la Côte d'Ivoire est prête à abriter ce rendez-vous du monde francophone. Les gros ouvrages sont pratiquement terminés. Adama Wane a également mis à profit cette visite des sites pour apprécier le tout nouveau cadre de retransmission de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RT. Les Jeux de la francophonie vont réunir à Abidjan plus de 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs, 700 journalistes et mobiliseront plus de 500 millions de téléspectateurs.